Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Vivarium qui est réalisé par Lorcan Finnegan. Il est sorti le 11 mars 2020 au cinéma en France, donc c'est genre un des derniers films qu'on a pu voir au cinéma en salle avant le confinement parce que les salles de ciné avaient été fermées le 14 ou le 15 mars il me semble. On retrouve dans ce film Jesse Eisenberg et l'actrice Imogen Potts. On suit un couple de trentenaires qui décident en fait d'acheter une maison pour y vivre ensemble. On sent que leurs visites ont plutôt donner très très peu de résultats. Un jour, il rentre un petit peu par hasard dans une agence immobilière où l'agent immobilier ressemble plus à un robot qu'à un vrai humain. Il leur fait visiter une maison dans un lotissement hyper conformiste où toutes les maisons se ressemblent, toutes les rues se ressemblent, tout est exactement pareil. Et après leur visite, ils se retrouvent tout seuls, piégés dans la maison. Ils peuvent plus sortir du lotissement, l'agent immobilier les a laissés sur place. Il se retrouve complètement perdu en fait dans le labyrinthe des rues du lotissement et au final ils sont obligés de passer la nuit dans la maison qu'on leur a attribuée qui est la maison numéro 9. Ils sont les seuls habitants du lotissement et le lendemain, après une nuit de sommeil, ils se retrouvent avec un bébé. On leur donne un bébé dans un carton et on leur dit voilà qu'ils doivent élever l'enfant pour pouvoir s'échapper du lotissement. Alors Vivarium, qu'est-ce que ça donne? C'est un film de genre, mais c'est un film plutôt dans la science-fiction, c'est pas un film d'horreur, il y a des aspects horrifiques du fait de l'ambiance hyper anxiogène en fait créée par le film, mais c'est pas un film d'horreur, c'est pas vraiment un film de SF non plus, c'est plutôt un film qui s'apparenterait à un épisode de la quatrième dimension ou un épisode de Black Mirror. Le film dure 1h38 et du coup je trouve que l'histoire se prête pas forcément à un long métrage. Je l'aurais très bien vu dans une série d'anthologie, une série voilà, de science-fiction, de dystopie, etc. Mais sur un long métrage, je trouve que le film y perd un peu en intérêt parce qu'on fait vite le tour en fait de l'histoire. On suit ce couple de trentenaires, la jeune femme est institutrice, le jeune homme est jardinier. Ils ont l'air d'être de la classe moyenne, d'être des gens tout à fait normaux, j'ai envie de dire, comme vous et moi. Et on rentre tout de suite dans la critique de la vie en banlieue, de la vie qui est très conformiste en banlieue où tout le monde vit un petit peu la même chose. Et du coup, les couples qui vont rentrer dans ce genre de milieu, on va dire, qui vont se conformer à un certain mode de vie également. Et très vite, tout ça c'est très stéréotypé, on rentre dans la caricature forcée, très dystopique, mais on comprend très bien le message que le réalisateur a voulu nous faire passer, voilà, avec la femme qui se retrouve très vite confinée au rôle de mère avec cet enfant qu'on lui impose. Au final, elle en veut pas, on leur a rien demandé. On leur impose un enfant et c'est, je pense, le sentiment que peuvent ressentir parfois certaines personnes de se conformer à la norme sociale qui fait que, voilà, du moment où on est trentenaire, qu'on est en couple depuis un certain nombre de temps, il nous faut forcément une maison. Si on a une maison, il nous faut forcément un enfant. Elle se retrouve confinée à ce rôle de mère qui lui est imposé, dont elle ne veut pas du tout, avec un gamin qui est en plus absolument horrible parce que, je dirais, un espèce de mutant, on sait pas très bien ce que c'est ce gamin, qui grandit en plus hyper vite. C'est pour montrer aussi que voilà, la femme se retrouve très vite débordée dans ce rôle là, que le père a un rôle hyper stéréotypé aussi de père de famille qui va se mettre en tête de travailler toute la journée dans leur maison. Il va creuser en fait le jardin pour essayer de trouver un échappatoire. Et voilà, on voit très bien la métaphore qu'on nous donne aussi du père de famille qui travaille sans relâche tout au long de sa vie, qui du coup n'a pas le temps de profiter de sa maison, il n'a pas le temps de profiter de sa famille, de sa femme, de son fils. Du coup avec sa femme il y a quelques tensions qui vont se créer, il va pas avoir énormément de temps pour s'occuper de l'enfant, il va tout de suite confier le rôle en fait à sa compagne. Jusqu'à un final qui pareil est, je vais dire, pas vraiment métaphorique, mais qu'on comprend quand même assez facilement. On comprend très rapidement en fait le message que le réalisateur essaye de nous faire passer. Pour moi, c'est dur de faire tenir ça sur un long métrage, sur 1h38. Il y a eu un moment où voilà, je trouvais que le film tournait un petit peu en rond, où on avait perdu aussi l'aspect assez anxiogène en fait qu'il y avait au début du film. En plus, je pense qu'en période de confinement, c'était le pire film à regarder. Quand on est enfermé chez soi, de regarder un film où des gens sont obligés de rester chez eux enfermés, je pense que c'était pas une super idée, mais bon. Le début du film, il est hyper anxiogène parce qu'ils sont tout seuls, on a envie de comprendre pourquoi ils sont là, est-ce qu'ils vont pouvoir s'échapper de là. Très rapidement, on comprend donc voilà qu'ils sont tout seuls. Les maisons, à un moment ils essayent de monter sur le toit, les maisons s'étendent à perte de vue. On est dans quelque chose qui est hyper artificiel, qui est hyper irréaliste. Moi au début quand j'ai vu la maison, j'avais presque l'impression qu'ils étaient piégés dans un dessin d'enfant. Vous voyez, la maison
hyper carré, avec les fenêtres bien positionnées de façon super symétrique. Le ciel est pareil, complètement artificiel, il est toujours très bleu avec des petits nuages posés comme des petites boules de coton. On dirait vraiment un dessin d'enfant en fait, avec le jardin hyper symétrique, la petite allée de gravier au milieu. Et en fait, voilà, on voit juste que c'est la conformité qui s'impose à eux et qui du coup va les étouffer. Ils vont se retrouver piégés dans ce cercle-là, ils vont vite être résignés, ils vont plus chercher à s'enfuir de la maison. Ils vont accepter le fait d'être enfermés dans cette maison, ils vont accepter le fait d'avoir cet enfant qui leur est imposé et qu'ils vont devoir éduquer. Tout perd sa saveur, son goût, les aliments qu'on leur livre n'ont pas de goût. Donc ils mangent mais vraiment sans plaisir parce qu'il n'y a plus de goût. Le seul espace de liberté qu'ils vont avoir, c'est la voiture avec laquelle ils sont venus au tout début du film, qui du coup a leur odeur parce que lui il fume et elle, même si ça lui déplaît, elle le laisse fumer dans sa voiture. Lui il travaille dans les jardins, donc la voiture voilà, elle sent la terre, elle sent la cigarette, ils peuvent écouter leur musique dedans. C'est le seul espace de liberté qu'ils ont, donc c'est quelque chose qui les rattache énormément à leur passé, à leur vie de jeunes gens en fait, j'ai envie de dire. Voilà, ce côté, ils écoutent du ska, ils fument des clopes, un côté très jeune, très insouciant en fait, qu'ils vont perdre avec cette maison. Le réalisateur ne cherche pas du tout à nous donner de vraies pistes, notamment concernant la fin. Voilà, la fin est assez bizarre, elle est assez intéressante, j'ai trouvé que c'était bien mené. Je vais pas vous la spoiler, même si je pense que ça vous changerait rien à la vision du film, mais voilà, je préfère vous laisser découvrir certaines scènes. Mais voilà, la fin est assez étrange, mais on comprend tout de même là où on veut en venir, même si on sent que le réalisateur ne cherche pas à nous donner de réponse. Voilà, il nous montre juste un couple normal, un couple lambda, qui va se retrouver prisonnier de cet enfer quotidien, de cet enfer domestique en fait, d'une certaine façon. La réalisation, elle est très propre, elle est très soignée, il n'y a pas non plus de fulgurance incroyable. Voilà, on est sur un film assez classique, je dirais, au niveau de la réalisation, même s'il n'y a pas de défaut majeur. J'ai bien aimé tout ce qui est décor, voilà, de la banlieue. On voit que c'est fait en studio, on voit que c'est fait sur fond vert, etc. Mais justement, ça ajoute à l'aspect hyper artificiel de la maison et du lotissement. Ça m'a fait penser un peu dans l'idée à ce quartier dans Édouard aux Mains d'Argent, vous savez, où toutes les maisons sont hyper bien alignées, elles sont toutes en couleur pastel, tout est très beau, on dirait des petites maisons de Barbie alignées les unes à côté des autres. On retrouve cet aspect-là et justement, le fait que ça soit tourné en studio, ça accentue très bien le côté artificiel de la banlieue. Pareil pour ce ciel complètement fake. Pour ce qui est des décors intérieurs de la maison, je les ai aussi beaucoup appréciés. On dirait les maisons témoins qu'on nous vend, qui sont toutes exactement pareilles, qui sont faites toutes exactement sur le même modèle. Et quand vous arrivez au début, toutes les peintures sont les mêmes. On a vraiment ce côté-là qui est hyper intéressant, avec dans chaque pièce de la maison, une photo de la pièce de la maison dans laquelle ils sont. Je trouve que ça servait vraiment à montrer que absolument toutes les maisons étaient absolument les mêmes et que du coup genre il y avait une photo qui avait été faite et qui est dans toutes les maisons. Et la maison, elle est décorée d'une certaine façon qui est assez intéressante parce que elle est quand même plaisante, cette maison. Voilà, elle est jolie, elle est accueillante. Quand ils arrivent, il y a la vaisselle qui est mise sur la table, il y a une cruche de jus de fruits dans la cuisine, sur le lit il y a des pyjamas qui sont mis et tout. Donc elle est quand même super accueillante, mais en même temps elle est tellement artificielle qu'elle en devient angoissante et oppressante. On se dit, c'est pas une maison normale et j'ai pas envie de vivre dans une maison aussi normale. On dirait qu'ils sont dans un pseudo catalogue Ikea. Et voilà, c'est tellement beau, tellement parfait, tellement aligné, carré, symétrique, que ça en devient hyper oppressant. Surtout qu'on voit que eux, ce sont des jeunes gens qui sont quand même assez... pas désordonnés, mais on sent quand même qu'ils sont assez libres dans leur façon de s'habiller, dans la musique qu'ils écoutent, dans leur relation de couple. On sent qu'ils s'entendent bien, qu'ils sont un petit peu moqueurs, entre guillemets, l'un de l'autre. Et du coup, ils arrivent dans ce carcan hyper symétrique, hyper carré. Et c'est tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec cet agent immobilier qui ressemble à un hubo. Moi, il m'a fait penser à la série, ouais, je sais pas si vous connaissiez la série Real Humans, où il y a des gens qui achètent des robots domestiques, etc. Ou même le jeu Détroit, si vous l'avez fait. Voilà, avec cet agent immobilier hyper propre sur lui, qui fait pas de plaisanterie, qui comprend pas grand chose quand on lui parle, qui est hyper bien coiffé, la chemise bien mise, son petit badge, etc. Qui est tout de suite hyper partant pour leur faire visiter la maison, qui est très enjoué et tout. Tout ce qui est censé être accueillant devient angoissant,
hyper oppressant en fait, c'est ça. Et on ressent tout de suite ce sentiment là. Je pense que c'est dû aussi à la couleur verte du lotissement, ou alors c'est juste parce que moi j'aime pas spécialement la couleur verte, donc peut-être que ça a joué aussi sur ma perception du film. Mais je trouve cette couleur verte pas du tout accueillante dans le lotissement. Tout de suite on se sent dans quelque chose de très clinique. Ça me fait penser un petit peu aux blouses de médecins, les blouses vertes, vous savez. Du coup ça donne un côté très scientifique, très propre, très clinique, qui est ouais, c'est très anxiogène. Mais je trouve que rapidement dans le film on perd ce côté anxiogène. Alors peut-être que c'est fait exprès et que c'est fait pour nous placer dans la même situation que les deux personnages principaux, qui au début sont hyper hostiles à ce nouveau lieu, qui sont hostiles à ce nouveau mode de vie, et qui finalement finissent par s'y conformer et par se résigner totalement à cette nouvelle vie qu'on leur impose. Et j'ai eu l'impression d'avoir un peu le même sentiment qu'eux en fait, de m'être habituée à ce décor hyper monacal, hyper monotone, hyper uniformisé. Et du coup ça m'a fait perdre ce sentiment d'angoisse, de malaise que j'avais en regardant le film. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est parce que voilà, le film est trop long par rapport à ce qu'il nous raconte. Je saurais pas exactement dire ce qui manquait en fait dans le film. Pour moi il manquait quelque chose et j'arrive pas à mettre le doigt dessus, et c'est hyper agaçant en fait d'avoir ce sentiment là, de dire le film est bien mais il manque quelque chose, un petit quelque chose pour qu'il soit vraiment génial. Et moi je pense que c'est juste la durée du film. Ça aurait été un épisode de Black Mirror, donc sur je sais pas 50 minutes, ça aurait été parfait. 1h38 c'est peut-être trop long. Franchement vous me direz si vous l'avez vu, dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à mettre le doigt sur le petit défaut qui nuit au film. Dites-moi également dans les commentaires si vous l'avez vu, si vous l'avez apprécié, si vous avez aimé voilà, cette critique de la banlieue classique comme on peut en rêver, mais qui au final s'avère être pas si idyllique que ça. Dites-moi tout dans les commentaires, voilà. Dites-moi si vous pensez que c'est aussi la bonne période pour regarder Vivarium à la maison. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Je publie plus de vidéos du coup qu'on est à la maison. J'en profite pour publier le mardi et le vendredi. Et puis voilà, ça me fait super plaisir d'avoir de nouveaux abonnés. Je vous remercie. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !